place, on peut rester. Et à un moment, même si on est bien placé, quoi, à un moment, bah, on est en train de tourner. Hein. Alors, à plus forte raison, si on est dedans, il n'y a pas d'appui, vous voyez, ici, bah, c'est un, on est faible. Donc là, si on est bien sur les deux appuis, sur les deux jambes, c'est un moment crucial. Il faut pas un minimum de temps. Hein. C'est ça que, voilà. Là, vous pourrez s'arrêter, mais entre les deux, on s'arrête pas. Donc là, quand on est sur catégorie, bien sûr, d'abord, on apprend la technique. Une fois que la technique est produite, on est placé là. Okay. Et ce qu'on veut, c'est faire un négatif complet. Bien sûr, on pourrait immobiliser directement là. J'apprends. Donc le négatif complet, ça suppose que je vais me placer là aujourd'hui. Mais je ne peux pas avoir des mouvements qui soient trop longs. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un mouvement qui est ici. Là, je retiens toujours un petit peu, vous voyez. Je ne vais pas lâcher. Okay. Je prends un peu de distance, hop, je suis derrière. Okay. Lui, il faut qu'il me cherche. Hein. Okay. Si je suis en train d'appuyer, c'est où je suis, la résistance. Entrez, hop, je suis derrière. C'est la sensation. Bien joué sur ce. Sur ce. Faites voir bien dos droit, pas être trop penché, mais bien pris. Même si tu appuies sur, si sur, le coude, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous les appuyez, cette main, là, même quand je bosse, tout simple. Voilà, je suis ici, je vais prendre ma position, ça c'est passé, le coude est un peu passé, ça c'est sur le coude. Je bosse ici, cette main est là, je peux la vider. Et là, commencez aussi à prendre sur le coude. Pour revenir toujours sur le petit gauche. Et voilà, c'est comme les trucs qu'on a fait pour une prononce là. Merde, vous prendre la vitesse. Tout ça, c'est préparation, retour. Si ton mouvement tu fais trop là, bon, il y a tout. Mais il manque une idée. L'idée, c'est voilà, elle est placée là. Elle ne va pas avancer. Si elle avance, hein, ça avance. Dans le même temps, ça goûte. Je prends mes appuis. Et là, même si je m'arrête, il y a quand même cette sensation de lourdeur, pétrissante.